certain Clément Jean-Baptiste, qui habitait rue Saint-Vincent, voulant écrire un compliment, trempa sa plume dans le sang. Qu'elles étaient rouges les cerises du verger de Monsieur Clément. C'était plus beau que l'évangile, c'était les mots de maintenant. Mais il faudrait que nos enfants n'attendent pas comme on attend. Qu'elles mûrissent les cerises du verger de Monsieur Clément. Je sais, c'est difficile de mourir quand on a 20 ans. Mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps? De république en république, toujours cocu, toujours content, on applaudit les bons truands, au ventre rond, au ventre blanc, qui nous rendent les cerises du verger de Monsieur Clément. Tous ces pontifes des églises, tous ces suiveurs de régiments voudraient nous manger tout vivant, mais ils se casseront les dents au noyau de ces cerises qu'avait rêvé Monsieur Clément. Bien sûr, c'est difficile de mourir quand on a 20 ans, mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps?